Alors, salut chers abonnés de la chaîne Royal Officiel Business. J'espère que vous portez vraiment très très bien. Voilà, moi je me porte vraiment très 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 bien les amis. Voilà, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour vous donner une astuce vraiment qui marche vraiment très bien sur le football. Une astuce au moins qui vous permettra de gagner 99,99% sur Ainsbet. Donc si tu es nouveau, tu n'es pas encore abonné à cette chaîne là, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et juste en description, il y a le lien de mon groupe Telegram. Il te suffira de cliquer et intégrer rapidement ce groupe là. Ok. Et aussi, regarde la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir mieux comprendre comment utiliser cette nouvelle faille qui fait gagner à presque à 99,99%. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Nous allons chercher sport. Non, nous allons cliquer ici sur menu. Une fois que nous cliquons sur menu, nous cherchons ici sport, paris sportif. Voilà. Paris sportif ici. Voilà. Une fois que nous cherchons paris sportif, nous allons cliquer sur football. On va cliquer sur football ici. Voilà, une fois qu'on clique sur football, on vient sur... vous prenez toujours paris sportif, ne prenez pas en direct. Voilà, vous prenez paris sportif ici. Ok, voilà. Donc une fois que on vient, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher ici les grands championnats. Voilà, les grands championnats, parce que c'est une commande qui est dans les grands championnats que la Suisse au fait se trouve. Voilà. Ok, voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de grands championnats, vous patientez. Maintenant, si vous trouvez des grands championnats, maintenant vous allez devoir trouver, vous allez pouvoir trouver l'astuce. Donc on va chercher ici. Il y a ça ici, il y a ça ici. Voilà. UEFA, il y a UEFA qui est là. Voilà. C'est cette partie-là, nous cherchons. À domicile, but marqué. À l'extérieur, but marqué. Voilà, c'est ça on cherche. Mais c'est jusqu'au 11 avril, ça ne nous arrange pas, on cherche. Ici aussi c'est le 13 avril, ça ne nous arrange pas. On cherche. Voilà, je suis en train de vous montrer ici les championnats que vous devez utiliser. Cette option là est, voilà, ou cette option là elle, voilà, cette option, ok, voilà, on va essayer de voir. Il y a Angleterre, Europa et France, et ouais, France Ligue 1 et Allemagne, il pense bien. On va essayer de voir, voilà, là se trouve ici aussi en Allemagne, on va sortir. On va voir en Espagne. La Suisse se trouve là. On va voir en Italie. Et ensuite la France, ici est terminée. Voilà. Voilà, vous voyez. La Suisse se trouve là. La Suisse est là. Nous allons voir la France. Ok. Ok. Donc, les amis, comme vous pouvez le constater, donc voici les différents championnats. Vous voyez, la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'UEFA, Ligue des Champions et Europa. Donc, ce sont des championnats auxquels la Suisse se trouve là-bas. Mais avant de vous donner cette astuce là, voilà, si tu es nouveau, que tu n'as pas encore utilisé le code promo betting 13, c'est le moment. Avec ce code promo là, mon ami, tu bénéficies de 300% de bonus
tout premier chargement, il a dit bien 300%, pas 200%, mais plutôt 300%. Ok, voilà. Donc, c'est le nouveau code promo qui est là avec ses nombreux bonus. Donc, je trouve que vraiment, c'est le moment d'en profiter au max en utilisant ce code promo, le meilleur des codes promo. Donc, c'est très simple pour pouvoir utiliser ce code promo là. Il te suffira de te déconnecter sur les autres codes promo et tu te crées un nouveau compte avec le code promo Betting 13. Ok, voilà. Donc, maintenant, nous pouvons passer à notre astuce maintenant. Donc, qu'est-ce que nous allons faire, les amis? Une fois que vous venez ici, ok, on va venir ici sur France. Une fois qu'on vient sur France, nous allons cliquer sur Ligue 1. Une fois qu'on clique sur Ligue 1, on vient ici. Il y a d'autres qui vont se demander, leader, c'est quoi cette astuce-là? Voilà. Ici, football ou c'est qui? À domicile, but marqué à l'extérieur, but marqué ou home ou Hawaï. Voilà. Au fait, c'est la combinaison de deux équipes. Ou trois équipes ou quatre équipes, comment? Ok, je viens ici, vous voyez, voilà. Donc ici avec NSBet nous donne la possibilité de pouvoir miser sur des options comme si on misait sur des matchs ordinaires. Voilà, est-ce que vous comprenez? NSBet nous donne cette possibilité de miser sur au moins deux matchs combinés. Voilà, je vous prends un exemple. Voilà, c'est comme ici. Ici, nous avons Angers et Nice. Angers et Nice, ici, avec cette partie de jeu ici. Voilà, cette partie de jeu ici, où c'est qui but et but marqué, à domicile, but marqué, à l'extérieur, but marqué. Cette partie de jeu là, ici là. Voilà, Nice et Angers sont une équipe. Ok, et ici Nil Paris Saint-Germain sont une équipe. Ok, donc c'est comme une équipe dont nous avons la possibilité de miser. Comment? Voilà, voici l'option qui est ici. Ici on nous dit que deux équipes vont marquer. Oui. Voilà, ici c'est Nice marque un but et que Lille marque, nos coupons est gagnant. C'est-à-dire, même si Angers n'a pas marqué, même si PSG n'a pas marqué, que Nice a marqué, que Lille a marqué, nous, nos coupons est gagnant. Deux équipes vont marquer, nous, nos coupons est gagnant. Raison pourquoi vous voyez, raison pourquoi vous voyez ici, des équipes, vous voyez la cote est peu. Parce que ici, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, c'est de miser sur deux matchs qui forment un. Voilà. Donc, Lille, Paris, PSG, ils forment une équipe au moins. Et Angers et Nice forment une équipe. Donc, j'ai la possibilité de miser. Donc, ici, si j'ai pris double chance 1.8 et que Angers a mis 1 et que Lille a mis 1. Bon, c'est comme si nous sommes en nul et que Nice vient mettre 1 et que PSG vient mettre 2, notre coupon est gagnant. Ok, peu importe l'équipe, si j'ai pris une double chance, ça c'est l'exemple de double chance. Ok, voilà, si je viens, je prends total plus de 4,5 et que ici Angels met 2 et que PSG met 3 et que ceux-là ils ont fini par 0-0, notre coupé est gagnant parce qu'il y a eu 5 buts dans le match. Donc c'est pareil pour notre option ici qui est sur à 99% que forcément il y aura ici deux équipes qui vont marquer. Ok, il y aura ici deux équipes qui vont marquer. Voilà, donc Angers et Nice, il y aura une équipe qui va marquer. PSG, Lille, ça c'est forcé. Ok, donc ici nous on prend ici. Oh, merde.
Med. Ok. Attends, il a enlevé ça. Ok, donc je vais ajouter ici dans le coupon de Paris. Voilà, nous allons essayer de chercher un autre match ici de Nice. Il s'est déjà fait Nice. Angers. Ok. Voilà. Non, ici c'est déjà fait. Bon, vous voyez ici, non? Ici nous avons pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 matchs, 7 matchs combinés le 9 avril. Voilà, donc ici les deux équipes vont marquer, ils vont dire plutôt que dans chaque équipe, chaque équipe va marquer 5 ou plus 8. Voilà, nous avons 7 matchs combinés, donc c'est forcé que vraiment il y ait au moins 5 buts presque dans chaque équipe. Ok, et voilà, c'est 7 balles combinées. Mais aujourd'hui notre option ne voit pas un signe que ne sera pas sur ça. Voilà, nous vous cherchez des matchs auxquels c'est uniquement que deux équipes. Voilà, et puis vous prenez le total, deux équipes vont marquer. Ok, on va essayer de voir en Espagne si on peut avoir. Ok, en Espagne oui, on peut avoir. Donc ici on cherche. Ok, une fois qu'on recherche, ok, ici on nous dit c'est quatre équipes combinées, mais on va bon les ligas, c'est comme ici. Ici c'est jusqu'à 8. Mais Angleterre, première ligue. On va voir en Angleterre pour voir. Ici c'est combiné. Voilà. Donc ce que vous devez faire, voilà. Je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Vous devez chercher des matchs. On va étaler Serie A. Oh, mais... on va rester en France. Ok. France Ligue 1. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc voici l'option qui est là. Ok, voici l'option qui est là. Vous venez ici, vous cherchez des matchs auxquels ces deux équipes qui sont là, deux équipes qui jouent le même jour. Voilà, comme ceci. Ok, comme Lille et Nice. Ok, voilà. Donc une fois que vous trouvez ça, vous cliquez sur but à domicile. Et but marqué à l'extérieur. Une fois que vous trouvez, voilà, vous assurez que ces deux équipes qui s'affrontent ainsi, ok. Et vous venez ici sur deux équipes vont marquer. Vous prenez 8. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué là. Voilà, ok, d'accord. Donc prenez soin de vous. Juste en description, le lien de mon groupe Telegram. N'oubliez pas d'intégrer ce groupe là. Et bénéficiez de plusieurs astuces comme faille, ok. Donc on sera à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur Wolf Cell Business. Merci et